Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On est au Savoir Rétro Game 2023. Je suis avec Guillaume et Fabien de Video Game Galaxy. Et on va parler d'un crowdfunding en cours, en fait, et vous allez nous expliquer tout ça, pourquoi, de quoi il s'agit déjà. Ouais, bah merci beaucoup de nous recevoir dans cette petite interview. Alors, nous, à la base, effectivement, on est un collectif qui s'appelle Video Game Galaxy, de collectionneurs. On existe depuis un an sur les réseaux sociaux. On publie des photos qui commencent à être assez connues de ce genre-là. On voit sur cette photo, par exemple, une quarantaine de versions différentes de Super Mario Kart. Donc, notre démarche, initialement, c'est de montrer qu'il existe un tas, une multitude même de versions et de variantes différentes pour chacune des pièces de collection qu'on connaît. Et donc, c'est une vraie recherche historique qu'on fait. Vraiment, c'est de l'archéologie dans le rétro gaming. Et parallèlement à ça, du coup, on a réalisé un site internet qui fait office de référencement international de toutes les pièces de collection Nintendo, Super Nintendo et Game Boy. Et donc, c'est vraiment un sanctuaire du référencement pour pouvoir repérer un peu tout ce qui existe avec des scans de chaque partie des boîtes, notices, etc. Et donc, nous est venue l'idée de faire des productions concrètes ensuite sous forme de bouquins, parce qu'on s'est aperçu que la littérature dans le rétro gaming aujourd'hui, elle visait surtout le grand public, ce qui peut se comprendre commercialement, puisque quand on vit de l'édition, on ne peut pas se permettre de viser un public trop de niche. Mais nous, on s'est quand même posé cette question de se dire quel bouquin nous aurait servi en tant que collectionneur quand on a commencé, qu'est-ce qu'on aurait voulu avoir. Et du coup, on a mis les années de recherche et de savoir qu'on avait acquis à contribution pour produire une œuvre qui commence donc, comme Guillaume va l'expliquer bientôt, par les packs Super Nintendo. Et ça, c'est vraiment à destination là pour le coup des collectionneurs. Alors, on parle donc des différentes versions d'un même packaging, que ce soit console ou jeu. Et donc, on parle de tous les marchés. Là, on l'a vu, sur ce que tu as montré tout à l'heure, il y avait des packs, enfin, il y avait des boîtes Mario Kart typiquement japonaises, européennes, etc. Et même au sein d'une même région, on va trouver plein de variations sur une même boîte, en fait, c'est ça? Exactement. En fait, sur l'exemple de Mario Kart, il y avait des versions différentes et des variantes aussi. C'est-à-dire qu'au sein d'un même pays, s'il y avait une édition Bandai, une édition Nintendo, une version presse, une version commerciale, une version limitée, on va parler de toutes celles qui existent. Et ça peut donner des chiffres assez impressionnants. Par exemple, rien que pour le Japon, des Mario Kart, comme il y a eu des révisions de notices, comme il y a eu des versions avec des stickers particuliers, du coup, on arrive à des chiffres impressionnants pour un seul pays, des fois. C'est un truc de fou. Il y a aussi, des fois, des erreurs au niveau de la PAO sur les boîtes, ouais. des erreurs qui ont été faites, qui ont été retirées en cours de route. Et on vous fera une vidéo, justement, pour vous parler des erreurs les plus rigolotes qu'on peut trouver sur les boîtes. Il y en a eu masse. On aurait des exemples pour toute la nuit. Voilà, les coquilles, il y en a vraiment un bon paquet. On en parlera. Mais pour revenir maintenant au financement participatif que vous avez mis en place et qui a cours actuellement, au moment même où je suis en train de vous parler et de faire cette vidéo, de la publier. Donc, on va regarder un petit peu. Là, ça concerne les packs Super Nintendo, c'est ça? Ouais, exactement. Si tu peux tourner les pages. Donc les packs Super Nintendo, c'est notre premier ouvrage. On s'est posé la question, quel est le guide ultime qui pourrait aider les collectionneurs à avancer dans leur collection? Donc là, par exemple, on vous propose différents packs japonais. La Super Famicom est très connue parce qu'elle a été distribuée vraiment massivement. Sauf qu'on en a référencé une quinzaine différentes. D'accord. Avec des stickers. Là, tu vois, c'est le Super Mario Kart. Ici, c'est la Dreambox qui est vraiment très peu connue. Et notre but, c'est d'exposer chacune des 15 variantes japonaises qui est sortie. Il y a eu la Super Famicom Junior qui est sortie en fin de vie, comme tu le sais, avec un relook, un redesign de la machine. C'est quoi la Dreambox? T'avais quoi dedans? La Dreambox, il y avait 3 jeux supplémentaires. Et en fait, il y a un package jaune, comme tu vois, avec un... Bon, après, c'est un style artistique assez spécifique. Mais c'est une forme de distribution différente. D'accord. Donc du coup, ça, la personne qui a cette Dreambox-là, il peut être heureux parce qu'aujourd'hui, il l'a trouvé. C'est pour ça qu'on l'a mis un critère 9 sur 10. On en connaît très peu, en fait, sur Terre. Alors, c'est très, très intéressant ce que tu es en train de me dire. Donc, pour chaque boîte, on va trouver également la cote de la boîte. Un indice de rareté, absolument. Un indice de rareté, ça, c'est intéressant. Par exemple, cette boîte-là, tu as tiré d'où cette photo, en fait? Qui la possède personnellement? Alors, le nom des propriétaires, on a décidé de ne pas les mettre version après version. Des fois, enfin, la grande majorité des photos, c'est des photos qui nous appartiennent. D'accord. Mais de temps en temps, pour compléter ce que nous, on peut ne pas avoir, parce qu'on a beau avoir des grandes collections, on est obligé aussi de fonctionner avec un système participatif avec d'autres collections qu'on arrive à trouver sur Internet, on expose en fait nos photos, nos scans à nous. Par exemple, ces deux photos-là, les 4 qui sont là, c'est des photos d'un seul collectionneur qui fait partie de notre collectif. D'accord. Qui n'est pas présent aujourd'hui. Ok. Donc à chaque fois, tu verras qu'il y a des variantes. Là, par exemple, c'est des la Dreambox, tu crois qu'elle cote à combien, en fait? On n'en voit pas du tout nulle part, en fait. Je suis incapable de donner un chiffre et on ne veut pas s'engager sur la voie du chiffre parce que quand le livre sortira dans quelques mois,
les codes seront déjà plus les bonnes en fait. Ça peut changer très rapidement. C'est extrêmement fluctuant, extrêmement rapide, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Il suffit qu'il y ait des... je ne sais pas si tu connais le principe des deadstocks. Il suffit qu'il y ait un deadstock qui apparaisse et pour ça, faire plonger ça le fait prix plonger la cote. De quelque super chose qui était considéré comme quelque part très rare. D'accord. Il y a des cas célèbres sur la Super Nintendo comme Run Saber ou Super Widget qui ont fait plonger la cote de titres qui était pourtant vraiment réputé comme rare. Donc là, on en voit voilà, différents packs. Effectivement, il y en a pas mal que... Là, le Super Comboy, par exemple, tu verras que c'est deux variantes. Ici, il y a un carré qui n'est pas présent ici, en dessous de Hyundai, qui était le distributeur là-bas en Corée du Sud. Excellent. Alors ça, c'est des trucs qui doivent être super durs à trouver. Alors ça, c'est propre au marché coréen. Il y a toute une partie historique qu'on expliquera dans le livre au niveau des codes localisation. Mais déjà, il faudrait commencer par dire aussi qu'en plus de la partie catalogue, il y aura une partie thématique dans l'ouvrage. Et il y aura aussi des dossiers explicatifs sur les différents marchés. Par exemple, on est sur une page thématique. Le but, c'est pas d'expliquer les différences, c'est de montrer toutes les variations d'un même pack à travers les différents pays du monde. D'accord. Donc, et là, ce qu'on voit là, c'est le livre tel qu'il sera dans sa version finale. Enfin, c'est un extrait, bien sûr, le livre est beaucoup plus gros. Absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. La PO est refaite de A à Z. Non, pas de A à Z, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est provisoire actuellement. D'accord. Parce qu'on est assez perfectionniste et on a toujours des choses à rajouter, des informations à modifier. D'accord. Donc, non, c'est pas la version définitive. Ça peut s'en approcher comme on peut en rajouter encore qu'on n'a pas eu la place de mettre ici. Ici, c'est un ensemble de 6 Super Mario All-Star que pour le marché américain. À chaque fois, tu trouveras des variantes entre eux. Donc, c'est toujours des pièces différentes pour un collectionneur. S'il a le Mario 7, c'est différent s'il a le Mario 7 avec le sticker, avec la manette additionnelle. Donc c'est un contenu qui change. Donc c'est une nouvelle référence pour nous. Et là, pour ça, tu n'as pas réussi à mettre d'indice de rareté. C'est peut-être plus dur dans certains cas. Alors là, on n'est pas dans une page catalogue. D'accord. On est dans une page thématique. C'est okay. Ce que j'expliquais. Ça, c'est pour les collectionneurs spécifiques au marché américain. Mais là, par exemple, on reprend une page de catalogue. Tu auras un indice de rareté pour le pack Street Fighter 2, pour celui-ci, pour le Turbo, ainsi que pour le Mario World. A savoir que ces packs-là, on peut le voir à l'esthétique, c'est exactement en fait des modèles de boîtes FH, des boîtes françaises, qui étaient en fait adaptées en format pack. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis les boîtes en rappel, pour montrer en fait que Nintendo France n'est pas allé chercher très loin pour trouver l'inspiration pour créer ces packs-là. Excellent. Là, on revient à des pages thématiques sur la saga des Donkey Kong Country. Et là, par exemple, c'est une sélection de packs parce qu'il en existe encore plus que ça. Wow. Donc là, on montre en fait sur un panel de 20 pages ce qu'on peut trouver dans un livre qui en fera plus de 300 à l'arrivée. Mais là, vous avez vraiment fait un boulot de maboule mentale en fait, en termes d'archivage, de recherche documentaire. Enfin, c'est complètement fou. Mais c'est plusieurs années de travail et surtout, c'est un travail collégial qui a été mené entre plusieurs collectionneurs qui ont différentes approches. On a fait beaucoup de réunions pour voir quelle était la meilleure approche pour essayer de toucher le public le plus large possible. Fabien l'a dit, on est sur un marché de niche, on en a conscience. On sait qu'un livre sur des jeux ou sur des packs, ça va intéresser que les collectionneurs les plus hardcore qui ont besoin d'avoir des collections toujours plus importantes. Mais ce qu'on vise aussi, c'est de parler à la nostalgie des gens qui retrouvent en fait des souvenirs d'enfance en se disant « Tiens, je l'avais le pack là avec Nigel Mansell, avec Donkey Kong, avec Pilot Wings ou tout autre jeu. » En fait, c'est de faire appel à des souvenirs d'enfance qui nous sont chers, c'est ça qui nous est précieux. Et si on collectionne, de toute façon, c'est toujours qu'il y a une part de nostalgie qui s'exprime en nous. Donc on espère aussi avec ce public-là étendre petit à petit la gamme de nos ouvrages. Alors pour en revenir au financement participatif, on le trouve où? Vous en êtes où par rapport à l'objectif? Combien de jours il reste? Alors on l'a lancé ce matin, on est parti sur une campagne de 33 jours, donc il en reste à peu près 32, parce qu'on arrive au terme de la première journée là actuellement. D'accord. Donc aidez-nous, envoyez-nous de la force, envoyez-nous des commentaires, des partages, et si vous le pouvez, si le livre vous intéresse, une petite contribution ne serait pas de refus. Alors en termes de contrepartie justement, pour obtenir le livre, on est à combien? Enfin, quelles sont les différentes contreparties qui sont proposées sur le projet? Alors actuellement, on est... je te laisse peut-être parler des contreparties. Si tu veux, peut-être, je peux prendre le relais là-dessus. Ouais, donc pour les contreparties, alors déjà, comme pour toutes les campagnes Kickstarter, il me semble, il y a la possibilité de mettre un montant libre comme soutien, si on n'est pas intéressé par le livre mais qu'on veut soutenir le projet, ça c'est toujours possible à faire. Ensuite, la première contrepartie, c'est une contrepartie réservée aux 100 premiers backers. C'est le livre dans son édition classique avec 10% de réduction, donc à 44€. Et ensuite, il passe à 49€ pour l'édition classique. Et donc, l'édition classique comprend évidemment le livre. Et puis ensuite, il y a un petit certificat d'authenticité quand même pour aller avec. Le nom du backer dans le livre, donc le genre de contrepartie qu'on retrouve assez régulièrement pour ce type de projet.
Et ensuite, il y a une édition collector qui, elle, est à 79€ et qui comprend le livre plus un second livre bonus de 50 pages supplémentaires. Le livre en édition classique initialement, donc c'est couverture cartonnée avec un papier de grande qualité, etc. Parce qu'on a envie de produire une belle pièce de collection. C'est quand même destiné à des collectionneurs ce livre, donc on comprend un peu le principe. Ouais. Et l'édition collector, donc c'est un peu plus, puisqu'il va y avoir 50 pages supplémentaires aux 350 pages initiales du livre, dans un second livre en fait. Le tout sera avec 3 posters, une surcouverture, dans un énorme pack au format pack Super Nintendo. En excellent. Fait. Voilà, donc l'idée c'est d'ouvrir son pack Super Nintendo, le poly, et puis en fait c'est pas une console dedans, c'est nos ouvrages. Donc voilà, on a bientôt designé le pack en question, ça va être disponible en photo bientôt sur le Kickstarter. Il sera bientôt disponible en visuel sur la page de la campagne Kickstarter. D'accord. Donc suivez-nous et vous verrez du changement très bientôt. Ok, bon bah je mets du coup le lien dans la description de cette vidéo vers la campagne. Merci à toi. Donc voilà, bah, toutes les personnes qui sont intéressées par le projet, let's go. Hein, donc on commence, tu disais, à 40€ quoi, pour les premiers acheteurs. On est à 45€ actuellement. 44 pour être précis. Voilà, ok. Voilà. Allez, let's go. On espère que... Donc, encore un mois. Donc, ouais. On fonce. Je publierai la vidéo plus allez, tôt, du copains, coup, qu'un maximum puisse atteindre cette campagne. Allez, merci, bravo pour votre boulot. En tout cas, travail d'archivage de fou. Je tease déjà les prochaines vidéos qu'on va tourner ici même. La vidéo, donc, comme je le disais en intro, des bourdes. Qui a eu des bourdes de PAO, genre le mec met il y a 3 jeux dans le pack, ah non en fait il y en avait 6, du ouais. coup bah, les packs suivants c'est marqué 6 jeux au lieu de 3, enfin bref il y a des tas de bêtises comme ça en fait hein, qui ont réussi à passer ce qu'on appelle le bon à tirer hein, dans l'impression, c'est à dire on signe quand on estime que c'est bon, et bah non là les erreurs n'ont pas été vues et on va faire une vidéo sur les erreurs les plus drôles qui sont passées en production au niveau des packaging soit de consoles soit tout simplement de jeux vidéo. Ou dans les pubs. Ou dans les pubs, voilà bref on va vous faire un petit medley, ça va être vraiment excellent. Merci à tous, commentez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ce projet et puis on se retrouve très vite sur les internets pour d'autres vidéos du salon. Ciao, merci à vous deux. Merci beaucoup.